Nous allons accueillir maintenant une jeune femme. D'abord, elle est très séduisante et elle a beaucoup de talent. Elle a 22 ans. Elle est dans sa catégorie. Sixième mondiale. Ce n'est pas n'importe qui que l'on va accueillir maintenant. Elle est aussi 6 fois championne de France dans sa catégorie. Elle est de la région de Strasbourg, plus précisément de Blesheim. Et quand elle m'a dit, d'habitude, quand je fais ce que je vais faire, il me faut bien plus de place. Elle va donc exécuter devant vous un numéro dans une place très réduite. Plus encore, elle n'a pas eu le temps de repérer la place. C'est pour ça que je voulais que ça soit propre. Elle n'a pas eu le temps de répéter dans une place sur une surface plus réduite. Tout simplement pourquoi ? Parce qu'elle nous propose une activité tout à fait exceptionnelle, le vélo acrobatique. Et donc, voilà. J'aimerais tellement, et ça va bien se passer bien sûr, mais elle m'a foutu la trouille un petit peu en me disant « Oui, c'est la première fois que je le fais sur une surface aussi réduite, j'ai pas eu le temps de m'entraîner, etc. » Mais quand même, elle est championne de France 6 fois. Et surtout, elle est 6e au niveau de la place mondiale. On peut lui faire confiance. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, je voudrais que vous réserviez vraiment, mais vraiment une ovation à Alice Rib. Ein Marsch. Riesiger Applaus, on l'applaudit très fort. Parce que là, cet après-midi, vous allez voir un inédit.
Alice Rib. Reste avec nous, Alice. Waouh. Alors, je ne sais pas si le public est comme moi. Moi, je tremblais dans les coulisses. Moi aussi. Elle aussi, elle tremblait. Non, parce que... Mais oui, vous m'aviez confié tout à l'heure dans les coulisses que c'est la première fois que vous faisiez ça dans un espace aussi réduit. C'est ça, exactement. Que vous ne vous étiez pas entraînée sur une surface aussi réduite. Non, je travaillais jusqu'à 16h, donc je me suis dépêchée de rouler pour venir jusqu'ici. Et je peux vous dire que... Non, mais il faut vraiment l'applaudir parce que... Moi, je peux vous le dire maintenant. Moi, j'étais pas tranquille, hein. Parce qu'en plus, on a une drôle de perspective quand on est en bas et que vous êtes sur votre bicyclette, vous me paraissez tellement grande et quand on vous voit vous rapprocher comme ça du vide. Bien sûr, monsieur, lui, il était content parce qu'il espérait la chute. Lui, il espérait la chute, hein. Eh oui. Mais tant pis, nix. C'est je nix passé, hein. Donc, mais alors, pour avoir une telle maîtrise de la bicyclette, il faut s'entraîner beaucoup. Oui, ça fait 17 ans que je pratique ce sport. Attends, 17 ans et vous en avez 22. Toute petite alors? Toute petite. En tout cas, vous nous avez fait rêver parce que c'était, comment dirais-je, l'effort sportif lié à de la poésie. Et franchement, je ne sais pas, j'imagine que vous êtes du même avis que moi. Vous nous avez vraiment fait rêver, vous nous avez bluffé. Et surtout, on a eu des frissons. On a eu des frissons au niveau de l'émotion, de ce que vous présentiez, mais aussi des frissons parce qu'on avait peur. On avait tous, enfin moi j'avais peur à un moment donné, mais... Il y a quelque chose qui me rassurait quand même. Vous m'avez dit, je suis 6 fois championne de France et je suis 6e mondiale. Et ça, c'est quand même quelque chose de rassurant. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Une bonne année sportive et plein de réussites. Une bonne année sportive et peut-être les championnats du monde? Peut-être. C'est quand? C'est en novembre. On vous souhaite bonne chance. Et comme on dit dans le spectacle, merde. On raccompagne Alice Rib. Vraiment, merci beaucoup. Magnifique ce que vous nous avez proposé.